mesdames et messieurs, bienvenue à l'Institut National Genevois. Comme vous avez pu le constater, pour débuter la nouvelle décennie, la section des sciences morales et politiques a choisi d'aborder le thème des enjeux géopolitiques pour son premier cycle de conférences. En qualité de secrétaire général, j'ai donc l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. François Nordmann, ancien ambassadeur, qui a choisi de nous parler de l'Europe face aux défis de 2020. Alors François Nordmann est né à Fribourg. Après avoir suivi le collège Saint-Michel et l'université dans sa ville natale, il a continué à Genève, à l'Institut des hautes études internationales. Son cursus tant personnel qu'universitaire démontre très tôt un intérêt marqué pour la politique mondiale. Et il entre tout naturellement en 1971 au département des affaires étrangères. S'ensuit une carrière diplomatique intense. En 1980, il est nommé chef de la mission suisse auprès de l'ONU à New York. 4 ans plus tard, ambassadeur en Amérique centrale avec résidence à Guatemala City. En 1987, délégué permanent de la Suisse auprès de l'UNESCO. 5 ans plus tard, directeur des organisations internationales auprès du département des affaires étrangères. En 1994, ambassadeur de Suisse en Grande-Bretagne. 6 ans plus tard, chef de la mission suisse d'observation auprès de l'ONU à Genève. Et enfin, en 2002, ambassadeur de Suisse en France, mission qui sera étendue en 2006 à la principauté de Monaco, dont il fut le premier ambassadeur suisse. Fort de cette brillante carrière, François Nordmann reste très concerné par la politique mondiale. Il réalise des analyses pointues, régulièrement publiées par voie de presse au journal Le Temps. Et je sens que vous êtes impatient de l'écouter. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous avez au moins une garantie ce soir, c'est que j'ai dû rédiger ma conférence moi-même. Le général Petraeus, commandant de l'armée américaine, a raconté lui-même cette anecdote. Je ne résiste pas au plaisir de la reproduire, en disant exactement ses propos. Maintenant que j'ai quitté le service actif, j'en suis réduit à écrire moi-même mes textes. Et ça me rappelle, dit-il, l'anecdote de Brejnev à Moscou en 1980, lors des Jeux Olympiques. On décide que c'est lui qui était grabataire. On le tire de son lit et c'est lui qui va ouvrir les Jeux Olympiques. Alors on l'installe à la tribune. Tout le monde est très nerveux. Est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il va supporter? On l'installe, on lui met la main gauche, la main droite, on le tient bien droit devant les micros, on lui tend son papier, on lui ajuste ses lunettes et il commence. « Oh !» dit-il. Catastrophe, son entourage se prend la tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on craignait. Son écrivain se rapproche de lui et lui dit, mais président, ça va? Oui, 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 ça va, merci. Et il recommence. Oh! Et alors le speechwriter a une intuition. Il vient d'un pas décidé vers lui et lui glisse à l'oreille. « Président, ça ne se prononce pas, c'est le sigle olympique. » Alors, j'en viens à mon propos, avec l'image de cette jeune fille violentée par une force venue d'Asie, qui la fécondera et donnera naissance à la civilisation européenne un peu plus tard à Crète, en Crète. C'est le chef-d'œuvre de Félix Vallotton. Je vous donne ensuite cette citation. Dans le fracas de l'aube des années 2020, rien n'est figé, tout est transitoire. Dans un monde en pleine ébullition géopolitique, où la disruption passe pour seule constante, les repères changent parfois d'une semaine à l'autre.
Et encore une citation. Le monde est devenu moins sûr, plus instable, moins lisible et, sous de multiples aspects, moins amical. C'est le chancelier de la Confédération, Walter Turner, qui s'exprimait ainsi il y a un mois. La disruption, enfin la réalité que décrivent les deux textes que j'ai mis en exergue de mes propos, sont donc la disruption, c'est un mot français qu'on trouve dans le Littré, le bouleversement des valeurs et du cadre dans lequel s'inscrivaient les relations internationales ces 80 dernières années, qui imprègne l'étude des relations de puissance entre États, la révolution technologique permanente que nous connaissons, la mondialisation qui se poursuit à grande vitesse et qui multiplie les possibilités tout en creusant les inégalités, s'ajoute aux constantes traditionnelles qui définissent les paramètres de la politique étrangère, tels que nous les appréhendons, données géographiques, topographiques, climatiques, économiques, démographiques et historiques. On peut tout de même tenter de discerner les lignes de force de l'évolution qui nous touche et que dessinent les contours des scénarios de l'avenir. On mesure le temps en décennies plutôt qu'en années, parce que les grandes tendances qui provoquent les mutations et les mouvements de fond se situent naturellement dans le temps long. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. On se déplace au rythme de quelques centimètres chaque année, ou moins, ce qui n'empêche pas à la fin les collisions sismiques violentes. Qu'on ne s'y trompe pas, la puissance de l'Europe dans le monde, née de l'urbanisation et de l'industrialisation, nourrie par les conquêtes coloniales et la prépondérance de la marine à travers les siècles, est de plus en plus contestée, remise en cause par la montée en force de l'Asie. Le centre de gravité que l'Europe constituait jusqu'à la fin du XXe siècle se situe maintenant dans la région du Pacifique. C'est là un défi global pour notre continent et qui conditionne son avenir. Les défis globaux, vous les connaissez. Il y a l'arrivée du monde cybernétique, la révolution de l'information et des communications, ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle avec l'intelligence artificielle qui va modifier les relations sociales, et puis la crise économique qui en fait aussi partie et qui s'est installée depuis une dizaine d'années et produit encore ses effets. Et parmi ces effets, la remise en cause de l'ordre international qui nous gouverne depuis 80 ans et des institutions qui le sous-tendent. Mais l'Europe est confrontée à des enjeux plus spécifiques que ceux de la mondialisation, qui tiennent à sa situation géographique, à son histoire, à son rôle politique, économique et culturel. Mais d'abord, peut-être, faut-il savoir de quelle Europe nous parlons. S'agit-il de ce petit cap du continent asiatique, comme le disait Paul Valéry, description on ne peut plus actuelle. Il ajoutait, ou bien restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps. D'un point de vue géopolitique, il est clair que l'Union européenne représente la forme la plus achevée d'organisation du continent européen, bien qu'elle ne soit pas exclusive. Elle s'étend bien au-delà de l'Europe occidentale où elle s'est constituée, et par rapport à l'époque de sa création, au milieu des années 50, elle subit, elle aussi, la décroissance du continent, notamment pour ce qui est de la démographie. En 1900, un quart de la population mondiale vivait en Europe. En 2050, ce sera 7%. La population active a commencé à décroître et dès 2030, nous perdrons chaque année 10 millions d'habitants, l'équivalent du Portugal. Mais c'est aussi une communauté d'intérêts, de valeurs, de démocratie et qui nous touche
de très près parce que nous partageons ces valeurs. Pour revenir au défi, j'en distingue trois types. Ceux qui tiennent à la rupture de l'équilibre mondial du fait de la montée en puissance de la Chine et du retrait des États-Unis, qui n'assument plus leur rôle de garant de l'ordre international, et je traiterai de ces deux défis, Chine et États-Unis, dans une première partie de mon exposé. Puis je m'attacherai à vous présenter des défis propres à l'Europe, nos relations notamment avec la Russie, la Turquie et les régions adjacentes à notre continent, mais nous devons aussi nous pencher sur des problèmes intérieurs, sur des mouvements d'opinion qui s'en prennent au régime qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La poussée du populisme, le refus de la représentation démocratique, la nostalgie pour des régimes autoritaires informent le débat public dans de nombreux pays et affaiblissent la démocratie. Enfin, je conclurai en examinant rapidement si nous disposons des instruments pour faire face à ces menaces. Je ne m'attarderai pas davantage sur les problèmes qui naissent de la phase actuelle de la mondialisation. Ils se posent généralement à tous les pays industrialisés. Et je viens de les évoquer substantiellement. Je passe aussitôt aux événements, ou plutôt aux éléments territoriaux de la situation géostratégique mondiale et commencerai dans cet esprit à parler de la Chine. La Chine est-elle une menace ? Est-elle une puissance qui va devenir hégémonique en 2049, au centième anniversaire de la révolution qui a porté au pouvoir le Parti communiste? On évoque à ce propos le défi, le piège de Thucydide, le risque que la puissance montante qu'était Sparte finissent par attaquer Athènes, qui serait les États-Unis, simplement du fait de sa puissance et pour la supplanter. Est-ce vraiment le sort qui nous attend? Il y a en fait deux lectures possibles devant le développement de la puissance chinoise. D'abord, c'est un pays qui a réussi à se sortir de la pauvreté, qui cherche maintenant à s'assurer à la fois des sources d'approvisionnement pour son alimentation, les matières premières nécessaires à son économie et qui entend retrouver dans le monde la place qu'il occupait il y a 5 siècles avant d'être délogé par l'Occident. Son armée et sa marine doivent faire respecter avant tout sa souveraineté. Il doit ses succès depuis 70 ans à la discipline de fer du Parti communiste chinois. Il entend préserver le monopole de son pouvoir et sa doctrine, tout en ayant assoupli sa relation à l'économie. Il projette à l'extérieur son dynamisme économique, notamment dans le projet des nouvelles routes de la soie, et l'initiative de la ceinture et de la route, qui est destinée à désenclaver l'Asie centrale, à refaire la géographie de son voisinage, et à assurer des débouchés jusqu'en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Ce sont des investissements stratégiques qui entraînent l'endettement de nombreux États récipiendaires et qui inquiètent notamment les Occidentaux, ce qui ne les retient pas de vouloir participer à ces grands travaux. La Chine favorise un certain type de multipolarité et l'étend son influence à travers du clientélisme. Elle en tire profit au sein des institutions internationales et de ce qui fait fonctionner le multilatéralisme. Mais elle cherche à en réviser les règles et donne à ces concepts une valeur différente. Pour Beijing, la coopération internationale se comprend par rapport au respect absolu du principe de souveraineté,
Alliée de la Russie, elle conteste les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme en prônant une communauté de destins séparés et la vertu des régimes autoritaires. Elle mène également une diplomatie culturelle à cette fin. Mais cette volonté de puissance tend-elle vraiment à s'assurer l'hégémonie ? J'évoquais tout à l'heure les nouvelles routes de la soie, le professeur Franco Pan qui les a popularisées d'une certaine manière dans ses livres, les livres qu'il y a consacrés, lui-même en doute, car la Chine connaît de grandes faiblesses. Une transition économique vers une économie de consommation qui est périlleuse, le vieillissement de la population, la corruption et l'absolutisme du pouvoir du dirigeant actuel, Xi Jinping, qui suscite des oppositions et des inimitiés. Les États-Unis se sont dressés vivement en déclenchant une guerre commerciale contre cette puissance naissante de la Chine. J'évoquais Sparte et Athènes. Peut-être est-ce à cause de ce piège-là. Les Européens partagent le jugement des États-Unis sur les pratiques de la Chine, notamment dans le domaine commercial, qui ne peuvent pas être réglées à l'OMC et qui abusent du transfert de technologies, de la propriété intellectuelle, faussent la concurrence et pratiquent l'espionnage industriel. Mais les Européens se séparent des États-Unis pour ce qui est de la méthode choisie. On devrait pouvoir arriver à discuter, à négocier avec la Chine sans imposer des droits de douane punitifs qui se retournent comme des boomerangs contre ceux qui les pratiquent. Mais elle constate aussi, l'Europe, que la Chine acquiert des infrastructures stratégiques, des ports, des aéroports, et développe une présence dans les Balkans notamment, qui est une sphère d'influence et une concurrence potentielle. Les Européens réagissent, essayent d'imposer des limites aux investissements stratégiques de la Chine, mais arrivent difficilement à adopter une position commune face à la technologie chinoise, qui est, dans certains domaines, comme celui des communications, la meilleure du monde. Et la Chine est en même temps un débouché important pour les produits européens. Elle accueille les investissements directs de l'Europe. C'est donc un partenariat compliqué. C'est un défi géostratégique très simple. Je retarde avec mes écrans. Enfin, c'est un rappel. C'est donc un partenariat compliqué. Et la question se posera, ou se pose déjà. L'ancien Premier ministre italien Enrico Letta l'a dit ici il y a quelques mois. Dans 10 ans, si tout continue comme jusqu'à présent, l'Europe n'aura plus qu'à choisir à être la vassale de la Chine ou la vassale des États-Unis. J'en viens maintenant à parler précisément des États-Unis. Nous savons l'importance que ce pays a jouée pour la libération de l'Europe, pour la création du système multilatéral, pour la reconstruction aussi de l'Europe, mais c'est peut-être le problème le plus lancinant pour les Européens. Qu'est-ce qui se passe dans l'alliance avec les États-Unis ? Pourquoi cette alliance prend-elle fin ? Il y a toujours eu des désaccords, il y a toujours eu des controverses, mais jamais aussi fondamentales que maintenant. Sans refaire toute l'histoire, la fin de la guerre froide, les interrogations qui se sont posées à l'OTAN sur sa mission, l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, l'intervention des États-Unis en Irak en 2003, qui a été approuvée par une courte majorité des États européens et désapprouvée par une forte minorité,
la question de l'Iran, dans laquelle les Européens ont pris l'initiative, contre les Américains, qui ont fini par les rejoindre, et qui a débouché sur l'accord nucléaire, sur le désarmement nucléaire de l'Iran en 2015, ce qui est d'ailleurs le principal succès de la politique extérieure de l'Union européenne. Mais l'élection du président Trump, l'élection du président Trump a balayé le consensus sur lequel reposait l'OTAN, le dialogue permanent avec l'Amérique. Il a été élu sur un programme de rupture, de remise en cause des paramètres fondant l'Alliance Atlantique et du multilatéralisme à l'égard duquel il affiche une méfiance militante. Adversaire déclaré de l'Union européenne, alors que jusqu'à présent les États-Unis soutenaient le projet de l'Union européenne depuis l'origine, il se place surtout sur le terrain de la concurrence commerciale. Il se plaint du déficit de la balance commercial des Européens sans voir les avantages qui existent d'autre part. Il s'en est pris le premier à l'OTAN parce qu'elle ne paye pas ses dettes. Il reproche aux Européens de ne pas prendre leur part du fardeau des charges, ce qui est très discutable. Et sans consultation avec les alliés, il a essayé de se rapprocher de la Russie, ce qui est très bien, mais qui aurait mieux valu si ça avait été une démarche concertée. Il est sorti de l'accord sur le climat, de l'accord nucléaire avec l'Iran, de l'UNESCO, du Conseil des droits de l'homme, et il a donc imposé ce blocus commercial à la Chine, ou ces taux de douane prohibitifs, dont les effets secondaires nuisent en partie aux Européens. Il s'était attaqué auparavant à ses voisins mexicains et canadiens, mais là, le problème avait pu être réglé assez rapidement. Et il a transformé la politique américaine au Moyen-Orient, dont il a promis de se retirer, de retirer ses troupes, et pour consolider les adversaires de l'Iran, en réglant le problème israélo-palestinien autour d'Israël, l'un des fers de lance de la nouvelle politique régionale qu'il essaye d'imposer. Je dis « essaye » parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de soldats américains dans la région du Golfe qu'il n'y en avait quand il a été élu, de même qu'il y a plus de soldats américains en Europe qu'au début de son mandat. Mais trois remarques. Les intérêts stratégiques, pour terminer sur ce chapitre, les intérêts stratégiques des États-Unis ont changé depuis une dizaine d'années, bien avant l'arrivée au pouvoir du président Trump. Exportateurs d'énergie, les États-Unis ne dépendent plus, comme c'était le cas auparavant, du pétrole du Golfe, et ils accroissent leurs dépenses militaires et mettent au centre de leurs préoccupations, comme je l'ai dit, la rivalité avec la Chine et la nécessité de contrer la Russie avant la lutte contre le terrorisme qui était un ciment avec les Européens dans lequel les États-Unis ont tendance à voir des profiteurs, en tout cas des concurrents commerciaux. La communauté de valeurs et la convergence avec l'Europe, la convergence des intérêts qui existait depuis la Seconde Guerre mondiale, a été remplacée par la doctrine d'une Amérique seule, repliée sur elle-même, et qui renonce à s'engager dans des conflits armés qui ne correspondent pas à un intérêt vital. Elle pratique notamment une politique de sanctions, et j'ai été très étonné d'apprendre de sa bouche l'autre jour que le secrétaire d'État au Trésor, le ministre de l'économie américain, Steven Mnuchin, le successeur de Gallatin, enfin d'une certaine manière, passait la moitié de son temps à des problèmes de sécurité internationale et à manier des sanctions contre des adversaires réels ou supposés des États-Unis. Donc la position stratégique actuelle des États-Unis, ce pivot vers l'Asie, la réticence à intervenir
dans le monde, notamment en Syrie et au Moyen-Orient, les limites à l'opération, déjà en 2011, l'opération des Européens en Libye. C'est une tendance lourde qui se maintiendra au-delà des élections du 3 novembre et avec laquelle il faut compter désormais. Je ne pense pas que ce soit réversible. J'en viens maintenant à parler des intérêts territoriaux propres de l'Europe qui concernent au premier chef la Russie. Moi, je regarde ma montre. Je ne vous empêche pas d'en faire autant. Je commencerai à avoir du souci au moment où vous secouez votre bras pour vous demander si elle ne s'est pas arrêtée. De par sa proximité géographique et les liens historiques et culturels noués au cours des siècles, la Russie appartient à l'Europe. Mais par sa masse, par sa dimension asiatique, héritage entre autres de multiples invasions venues de l'Est, elle se distingue et même se sépare de l'Europe. Elle est organisée d'une manière autoritaire, elle a toujours eu une conception non démocratique du pouvoir. C'est aujourd'hui, elle représente toujours un rébus entouré de mystères au sein d'une énigme, selon le mot de Churchill. Dépendante des produits de son sous-sol, pétrole et gaz, elle s'est liée stratégiquement à la Chine, dont elle se méfie pourtant à tort ou à raison d'ambitions territoriales éventuelles. Elle manifeste une hostilité au mode de vie occidental, cultivant les valeurs patriotiques et la grandeur de la Russie éternelle. Elle tente à diviser les Européens et elle cherche à intervenir dans le fonctionnement des institutions démocratiques, notamment des élections, en utilisant les ressources de la technologie moderne, les technologies de communication, les réseaux sociaux. En dépit d'une économie de taille moyenne, elle s'est dotée d'une force militaire moderne, avec d'importants effectifs, des équipements sophistiqués. Elle développe des armes nucléaires et a profité du vide qui s'est créé du fait du retrait américain. Elle est intervenue militairement en Géorgie, mais surtout en Ukraine, en annexant la Crimée, premier changement de frontière imposé par la force en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle est intervenue également en Syrie et en Libye. Elle supplante l'influence des Occidentaux et met en évidence l'absence des Européens. Certains expliquent le ressentiment ou le comportement de Moscou par du ressentiment qui aurait été provoqué par le refus des Occidentaux de l'intégrer davantage dans son développement depuis l'effondrement du Parti communiste et de l'Union soviétique au début des années 90. La revanche est-elle le moteur de l'action du président Poutine, comme il l'a exprimé à Munich en 2007 ? En particulier, ni l'OTAN ni l'Union européenne n'auraient tenu compte des intérêts de sécurité légitimes de la Russie. L'OTAN a envisagé d'intégrer la Géorgie et l'Ukraine en son sein, ce qui était une provocation à laquelle elle a d'ailleurs renoncé. Donc la question se pose de savoir si l'Occident a raté l'intégration de la Russie. Certains le croient, et c'est un peu ce raisonnement qu'applique le président Macron en cherchant à se rapprocher de la Russie, mais d'une manière un peu solitaire, sans être appuyé par ses alliés, ou très peu, avec la méfiance des pays tels que la Pologne. C'est un projet de long terme, dit-il. Mais qu'en est-il de ce débat historique qui informe encore aujourd'hui l'action des puissances ? Faut-il accepter cette responsabilité ou non ? Des promesses ont-elles été faites au sortir de la guerre froide qui n'auraient pas été tenues, notamment de limiter l'expansion vers l'Est de l'OTAN ? Alors, pour ce qui est du débat historique, je voudrais simplement mentionner trois faits qui permettent, à mon avis, de le trancher. Au sortir de l'ère soviétique, le président Yeltsin ne jurait que par la démocratie et le marché libre.
C'est en raison de ces dispositions que les pays industrialisés ont fait une place à son pays, au sein du G7 notamment, pour l'aider à se libéraliser selon l'intention qu'il proclamait. Deuxièmement, il peut y avoir eu, ou il y a eu des promesses, elles sont orales, elles dépendent des témoignages des uns et des autres. Le président Gorbatchev, par exemple, pense qu'il y a eu de telles promesses de la part du secrétaire d'État américain, ou du James Baker, ou du chancelier Kohl. Mais elles se situaient dans un contexte précis. On n'a pas imaginé que l'État, que l'Union soviétique, allait se dissoudre après la chute du communisme. On était persuadé qu'on aurait affaire encore à la même puissance. Or, ça n'a pas été le cas. Ça a été même un des accomplissements de Yeltsin. La disparition de l'Union soviétique, l'indépendance de pays comme l'Ukraine ou les États baltes a évidemment changé la donne. Et il n'existe d'ailleurs pas de document qui prouverait qu'il y a eu un engagement occidental, si bien que de toute façon sa portée était limitée. Les diplomates, nous avons besoin de documents. Et finalement, il faut reconnaître que les institutions occidentales ont recherché le dialogue avec la Fédération de Russie, ont essayé de l'aider à devenir la démocratie qu'elle prétendait être ou qu'elle voulait être, et à développer une économie de marché. Ça a été un échec, probablement, parce qu'on a procédé à marche forcée. Mais surtout, du côté occidental, je pense qu'on n'a pas pris garde, après l'an 2000, au changement qui s'est opéré après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Ce dernier considérait la fin de l'URSS comme une catastrophe et il se sentait responsable du sort des 25 millions de russophones qui étaient laissés en dehors de l'ex-Union soviétique, de la Russie. C'était une blessure. La Russie avait, de ses chefs, payé le prix fort à la paix de l'Europe après la guerre froide, comme il l'a déclaré en 1994. À ce moment-là, en l'an 2000, à partir de l'an 2000, il n'était plus question de construire la démocratie ou l'économie de marché, mais on en revenait au pouvoir fort et centralisé, y compris dans la direction de l'économie. Dès lors, les offres de coopération occidentale se sont heurtées à des refus, car les deux parties avaient cessé d'œuvrer à un objectif commun. L'Union européenne aurait tout de même pu faire preuve de plus de finesse dans la gestion du dossier ukrainien. J'en arrive, dans mon tour d'horizon, des régions adjacentes à l'Europe, au Moyen-Orient, car la menace vient aussi de l'Est et du Sud. Voici quelques informations. Non. Au Moyen-Orient, d'abord, il n'est pas temps que l'Europe est absente. Ensuite, si la relation avec la Turquie est difficile, c'est parce que nous avons d'abord essayé d'intégrer la Turquie, lui avons fait des promesses. Elle pourrait rentrer dans l'Union européenne. Cette fois, la promesse n'a pas été tenue parce que les opinions publiques se sont tournées contre l'idée d'avoir la Turquie à l'intérieur de l'Europe. Je me souviens d'un dirigeant français qui, à l'époque où la France était favorable à cette entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qui me disait « c'est un marché de 100 millions de consommateurs, ce sont des jeunes, ce sont donc des soldats, et ils vont assurer la garde de l'Europe du côté du Moyen-Orient turbulent, du côté de la Syrie ». Aujourd'hui, la Turquie est dehors et la Syrie essaie d'entrer, enfin les immigrants posent un problème à l'Union européenne. Mais après son intervention en Syrie, la Turquie s'insère en Libye dans le jeu très compliqué qui se joue dans ce pays, se rapproche des côtes européennes, renoue d'ailleurs avec un fief de l'Empire ottoman, qui était la Libye, mais il semble qu'elle soit mue surtout
par l'intérêt qu'elle développe en Méditerranée pour les nappes gazières qu'on a trouvées au large de Chypre et du Liban. C'est en tout cas un défi qui est posé à l'Europe et qui s'amplifie du fait qu'elle a un peu la main sur le robinet de la migration. Elle pourrait laisser partir des migrants potentiels vers l'Europe qui ont eu un effet de provoquer l'insécurité, surtout par le nombre et par la soudaineté, par le fait qu'on n'était pas préparé en 2015 et que c'est encore un facteur de la montée du populisme et du nationalisme qui sont aujourd'hui des traits dans la vie intérieure de nos pays. Par là, j'en arrive à évoquer effectivement le front intérieur, ces problèmes qui se posent aux États démocratiques, la montée de l'extrême droite, le rejet des institutions dans les démocraties occidentales, l'impression d'être dépossédé de son environnement, de son travail parfois, oui, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Je viens un peu tard, mais c'est une répétition. La Libye, la voilà, marquée sur une carte. Peu importe que nos sociétés vieillissantes aient besoin de se renouveler, a besoin d'un apport de main-d'œuvre, c'est la perception populiste propagée par les réseaux sociaux qui compte et non les faits. Il y a un sentiment de colère dans une partie de l'opinion qui s'alimente aussi aux difficultés nées des bouleversements technologiques en cours, des séquelles de la crise financière, bref, du sentiment qu'il y a des perdants de la mondialisation. Ces difficultés se retrouvent au sein de l'Union européenne, notamment dans les relations avec les pouvoirs populistes de Hongrie et de la Pologne, qui ne respectent pas ou insuffisamment les dispositions du traité de Lisbonne, du traité de Rome, auquel ils ont adhéré. Et c'est un problème à la fois politique et social qui se pose dans notre continent. Mais est-ce que ces difficultés condamnent pour autant l'Union européenne ? J'ai dressé la liste des défis extérieurs. Je vous parle maintenant des défis intérieurs, la montée des partis antidémocratiques, la mise en cause des fondements mêmes de la construction européenne. Il y a une nouvelle commission, il y a nouvelle vigueur en Europe. Cette commission se considère comme géostratégique. Elle veut assurer la place de l'Europe dans la rivalité sino-américaine, dans son entourage immédiat, vis-à-vis de ses voisins. C'est une tâche de longue haleine, mais qui coïncide aussi avec un sursaut des États pour renforcer la défense européenne, la politique de défense. Tout d'abord, il s'agit d'harmoniser des budgets, il s'agit d'améliorer les achats de fournitures, de développer en commun des armes, un tank, un bombardier. On est très loin d'une intervention européenne ou de la création d'une armée européenne qui poserait des problèmes compliqués, notamment entre Européens et avec les États-Unis. Mais enfin, la nouvelle commission géopolitique essaye de prendre en main les défis qui se posent. Elle a trois priorités. La première, c'est les changements climatiques. Et elle entend consacrer un budget important, et c'est sa priorité, à adapter les institutions européennes au changement climatique. On parle d'un trillion
donc de 1 000 milliards d'euros consacrés à, sur 20 ans, à changer l'économie européenne pour en faire une économie verte. L'autre grand défi, c'est le numérique. Il s'agit également d'adapter l'Union européenne à cette transformation, notamment du travail, due à l'intelligence artificielle, à la robotisation. Et les conséquences qui peuvent exister au niveau de l'emploi et du mode de vie. Et enfin, s'attaquer au problème de la migration que la précédente commission n'a pas réussi à surmonter. Reste à savoir si le dynamisme et l'élan de la commission von der Leyen, après son faux départ dans les premières semaines suivant son élection, est capable de donner à l'Europe cette impulsion dont elle a besoin. L'Union européenne sort d'une épreuve dont elle va encore sentir les séquelles pendant longtemps, qui a été le départ de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas un succès de l'idée européenne. Et là, cette crise dont je vous ai parlé avec la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne ne joue pas le même rôle premier qu'elle avait en Europe du fait de sa crise politique, la crise de succession de la chancelière Merkel et des difficultés économiques. Bref, l'Europe a aussi des faiblesses à surmonter. L'union monétaire n'a pas été achevée. L'euro reste une monnaie politique soutenue en dernier lieu par la volonté de ses utilisateurs. Quant aux questions mondiales, on a vu que l'Europe n'était présente que par intermittence et sur certains fronts. Donc ce bilan n'est pas réjouissant, mais il ne faut pas se décourager, je crois, car la décennie qui s'ouvre, et c'était le sujet de la conférence, a tout lieu d'être celle des incertitudes, des tâtonnements, des remises en cause et des contestations. De profondes mutations s'annoncent dans le secteur social, dans les rapports de travail, dans les modes de vie, de déplacement, dans le mode de communication, des changements dus au climat, au progrès technologique, et il faut combattre l'affaiblissement qui en découle de l'esprit démocratique. On a tout de même vu que les élections européennes avaient mobilisé plus de citoyens que jamais au mois de mai dernier, dans le domaine politique et économique. Dans ce paysage, on rappelle que la compétition entre les États-Unis et la Chine revêt un caractère structurant pour les relations internationales. L'Union européenne veut tenter de se hisser au rang d'une tierce puissance, une troisième force, pour échapper justement au dilemme d'avoir à choisir les États-Unis ou la Chine. Elle reste une force économique, le premier marché au monde. Elle pèse de tout son poids dans les questions de fiscalité, de règles du commerce et de défense de la démocratie et des valeurs qui sont aussi les nôtres. La question se pose simplement de savoir comment elle surmontera ses handicaps, les divisions qui la travaillent, et comment elle s'y prendra pour relever les défis que j'ai voulu énumérer devant vous ce soir. Montrer l'Union européenne telle qu'elle est, même si elle reste ce qu'elle est aujourd'hui, elle représente un succès et une chance pour l'Europe. Il faut souhaiter qu'elle puisse se développer. Mais comme vous l'avez vu, la compétition se déroule aujourd'hui entre continents, entre des ensembles, de grands ensembles, qui sont des géants industriels, technologiques, politiques et militaires. Si l'Europe en était réduite à ses États-nations, elle n'emmènerait pas large, elle se ferait distancer. Et c'est alors qu'elle subirait les conséquences de l'affrontement des super-grands et que ces valeurs qui sont les nôtres, ces engagements que nous partageons ne l'empêcheraient pas de sortir de l'histoire.
Je vous remercie de votre attention. Je me rattrape. Non, parce que je vais vous montrer la dernière citation. Alors que les défis globaux auxquels notre planète est confrontée exigent un regain de coopération et de solidarité, nous faisons face à un délitement accéléré de l'ordre juridique international et des institutions qui organisent les relations pacifiques entre États. C'était Emmanuel Macron au début de ce mois. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nordman, pour ce passionnant exposé. Je pense qu'il a suscité quelques questions et je vais passer la parole à notre public. Merci beaucoup, François. Dans le faible français que je comprends, vous avez toujours dit l'Europe en singulier, mais à mon avis, peut-être un petit mot sur est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique étrangère européenne ou est-ce qu'on peut quand même faire quelques mots, comme vous pouvez faire, de dire la problématique d'avoir une politique étrangère unifiée de l'Europe. Oui, j'ai dit qu'elle était fragmentaire, qu'il y a des dossiers dans lesquels on a gardé l'unité de l'Europe, que, par exemple, la politique des sanctions à l'égard de la Russie, dans laquelle, malgré les réserves de certains États, on a maintenu un front commun depuis 2014, par exemple, dans le maintien de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, malgré les pressions américaines pour que les Européens s'alignent sur les États-Unis, et il y a d'autres domaines sur lesquels il n'y a pas d'unité, notamment la relation avec les États-Unis. Certains des États en Europe de l'Est pensent qu'ils ont besoin de la protection américaine et ne veulent pas fâcher le géant de Washington, tandis qu'à l'Ouest, certains veulent s'affirmer davantage. Mais on n'est qu'au début. Il est difficile d'avoir une politique étrangère si on n'a pas davantage d'unité. Et pour avoir davantage d'unité, il faut relancer un projet commun. Il faut montrer qu'on fait face aux problèmes sociaux et politiques. Et toutes les sociétés en Europe sont divisées, et pas seulement en Europe. Toutes les sociétés dans les pays industrialisés sont divisées. Et donc, je pense qu'on continuera à avoir une politique européenne, une politique étrangère dans certains domaines. J'ai noté l'amélioration dans la politique de défense, qui fait partie quand même d'une politique extérieure, et j'ai bon espoir qu'on arrive à ajouter des domaines à ceux qui existent déjà depuis 5 et 10 ans, en tout cas. Une autre question ? Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes encore, enfin, dans votre âme, diplomate suisse. Alors, quelle est l'attitude que le peuple suisse ou les citoyens suisses devraient adopter vis-à-vis de cette Europe que le général de Gaulle appelait le machin en vue de toutes les turbulences qui existent actuellement? Ce n'est pas très rassurant pour les gens. Non, je crois que la citation du machin s'appliquait à l'ONU. Parce qu'il était très fâché des positions que l'ONU avait prises sur l'Algérie et la décolonisation. L'attitude des citoyens, elle vaut ce que valent l'information qu'on leur donne et les positions que prennent les chefs de ce peuple. Car je pense que les élus sont aussi, d'une certaine manière, ceux qui doivent ouvrir la voie et indiquer le chemin à suivre. Le peuple en reste juge en dernière analyse, mais il doit pouvoir se prononcer en connaissance de cause. En 1993, au lendemain d'un échec important de la politique du Conseil fédéral, qui était l'adhésion à l'espace économique européen, rejetée en votation populaire. 6 mois plus tard, le Conseil fédéral publie un rapport
dans lequel il dit « En dépit de ce refus que nous respectons et que nous comprenons, nous, Conseil fédéral, nous maintenons le cap. Nous estimons que la place de la Suisse est dans l'Union européenne et que notre politique doit s'orienter dans ce sens. » C'était très courageux. C'est une idée qui n'a pas, enfin, qui a survécu 10 ans et qui a eu des effets, puisque c'est bien cette détermination qui a permis à la Suisse d'obtenir les accords bilatéraux. Les accords bilatéraux avec l'Union européenne ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été accordés à la Suisse dans la perspective de son adhésion future à l'Union européenne. Et puis un jour, on a décidé qu'on n'allait plus adhérer et que les accords bilatéraux se suffiraient à eux-mêmes. Alors, la question est de savoir comment, aujourd'hui déjà, nous sommes dans la traction de l'Union européenne. Nous sommes obligés de tenir compte de son droit. Nous sommes liés à une coopération dans le domaine scientifique, dans le domaine numérique avec l'Union européenne. Nous avons des accords bilatéraux qui doivent être encore encadrés par une structure qu'on appelle l'accord institutionnel pour compenser justement le fait que nous n'avons pas adhéré et que nous n'avons pas l'intention d'adhérer. Mais nous devons avoir des relations apaisées avec l'Union européenne, qui reste notre principal partenaire, pas seulement sur la base des données commerciales et des chiffres de l'économie. Également parce que c'est une communauté de valeurs et parce que face aux affrontements qui se profilent, la Suisse toute seule peut espérer en tirer parti un certain temps, un petit peu, mais à la longue, elle sera quantité négligeable, un État-nation parmi des blocs qui s'affrontent et qui sont conditionnés par le développement technologique, je crois. Oui. Merci. Merci pour, pour votre conférence. Excusez-moi. Bonsoir, Monsieur Norman. Je vous remercie pour votre exposé qui a bien mis en évidence autant nos contradictions que nos espoirs. Alors, ma question serait, avec tout le cursus que vous avez, quels seraient vos espoirs? On sait que dans les espoirs, il y a un peu d'utopie. Alors, on voudrait peut-être que vous nous donniez une image prospective ou positive, et j'illustrerai ma question à travers ces énormes contradictions qu'il y a. Nous avons une Afrique qui va vers 2 milliards d'habitants alors que nous allons stagner. Nous avons une Chine dont vous connaissez les chiffres, autant d'habitants que d'économiques, puisqu'elle a rattrapé les États-Unis. Nous avons une des États-Unis qui vont aussi stagner au niveau du nombre d'habitants, au niveau démographique. Donc, au fond, à quoi nous jouons, nous, en Europe, dans nos dissidences, alors que nous venons de perdre un partenaire extrêmement important qui est l'Angleterre, et qui a fait exploser notre esprit quant à notre solidarité. Alors, comment espérer? Et j'aurais besoin de vos lumières. Merci. Bon, le Royaume-Uni n'a pas déménagé, il reste en Europe, enfin, lié à l'Europe. Il n'est plus... Oui, ça changera. C'est une partie de l'opinion qui se nourrit d'illusions, je pense, sur le grand large, mais qui reviendra à une plus juste mesure des choses. Mais l'espoir, c'est que d'une part, les relations internationales s'apaisent, qu'il y ait moins de remous et de soubresauts, d'impulsions et de menaces, que ce soit le 3 novembre de cette année ou dans 4 ans et demi, qu'on arrive à une nouvelle harmonie et qu'on puisse gérer les différences et les différends, les rivalités, avec d'une part une Europe forte de ses valeurs qui retrouve son dynamisme et des partenaires qui sont prêts à négocier avec elle, comme on l'a fait au moment de l'accord sur le climat, et au moment de la construction du système international. Il doit être revu, c'est clair. La composition du Conseil de sécurité devrait être changée et d'autres réformes apportées au système des Nations Unies. Mais je pense qu'on y arrivera si on a la force et la volonté, si on surmonte les crises actuelles. Utopie.
Alors, à mon tour de vous remercier pour votre conférence. Peut-être dans la prolongation de l'idée de la contradiction, et, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un immense paradoxe auquel nous avons, qui est un véritable défi. C'est-à-dire qu'en même temps, nous voulons la poursuite d'une Europe qui défend des valeurs démocratiques, qui défend des valeurs patriotiques d'une certaine manière, mais probablement que cette dimension-là est amenée à être rediscutée, à réévaluée. Et puis on a une Europe en décroissance démographique, vous l'avez bien dit, moins 10 millions, moins une fois le Portugal tous les 10 ans, bah, ça ne va pas le faire. Et donc c'est une Europe qui va devoir intégrer des flux migratoires. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un paradoxe où en même temps l'Europe veut défendre des valeurs ancestrales, démocratiques, et en même temps elle doit faire face à une immigration, elle doit intégrer une immigration. Il n'y a pas de raison que la poule aux œufs d'or ne reste que qu'aux Européens. Les gens vont venir, l'Europe aura besoin de la migration pour continuer à se développer, à moins que nous nous orientions vers un modèle de décroissance. Je pense que l'opinion publique n'est prête ni à l'une ni à l'autre, qu'il s'agit de rendre évident le besoin d'immigration. Je note en passant que personne n'a cité la Chine, qui est aussi menacée du même phénomène de vieillissement. Et, je ne sais pas si c'est plus rassurant, mais la vague d'immigration, il faut qu'elle soit gérée. Il faut qu'on ait une politique qui fasse consensus dans les opinions publiques. C'est possible. Ce n'est pas le cas actuellement. On assiste à une radicalisation d'une partie de l'immigration. On assiste à une immigration sauvage et on devrait mettre fin à ce phénomène de manière à pouvoir gérer la migration et rendre confiance aux citoyens. Une tentative de le faire, c'était les grands principes inscrits dans le pacte sur la migration que la Suisse a refusé de signer après l'avoir mis au point et en quelque sorte d'en avoir accouché. Et je pense que les principes qui sont contenus dans ce pacte, qui engagent aussi les pays de migration et les pays d'origine, représentent un compromis et une solution politique qui pourra, au fil des temps, s'imposer dans nos démocraties. Et je pense qu'en effet, on aura besoin, bien que la révolution technologique aura besoin de moins de main-d'œuvre et d'une migration plus structurée, plus éduquée, que certains imposent, notamment le Royaume-Uni. Peut-être que nous irons aussi vers cela un peu plus tard dans la poursuite de la construction européenne. Plus de questions ? Si, il y en a encore une, deux, trois. D'accord, et puis après, on va laisser M. Nordman souffler un peu. Merci, monsieur. J'aimerais un petit peu parler de la Russie. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les États-Unis se retirent de l'Europe. Et ce n'est pas Trump qui l'a fait. Attention, il ne faut pas se tromper. C'est Obama qui a commencé de retirer, les démocrates qui ont commencé de retirer, n'est-ce pas mon ami, de retirer les États-Unis de l'Europe. Et le mouvement va s'amplifier, parce que l'Europe est nettement moins intéressante pour les États-Unis qu'elle ne l'était avant. Donc le centre du monde qui était dans l'Atlantique Nord est en train de partir en mer de Chine. Donc les États-Unis vont concentrer leurs efforts sur la mer de Chine et vont délaisser l'Europe. Maintenant, le problème qu'on se pose, c'est qu'on va se retrouver sans parapluie nucléaire, ou avec un parapluie nucléaire français qui est quasiment inexistant. Comment va-t-on faire sans force militaire sérieuse pour tenir en Europe? Et ma conclusion serait plutôt d'aller chercher du côté russe, parce que les Russes, finalement, ce sont des Européens. OK, il y a Poutine, OK, il y a les Polonais qui les détestent, mais tout de même, ce sont des Européens. Est-ce qu'on ne serait pas peut-être plus intelligent, plutôt que de leur imposer des contraintes économiques, de tenter de les réinviter, et je dis réinviter, une nouvelle fois dans le grand cercle de l'Europe?
Je ne crois pas que les États-Unis se retirent complètement d'Europe. Il y a eu un rebalancement de la politique américaine vers l'Asie, qui était à la hauteur du défi qui se pose, les États-Unis étant une puissance planétaire, qui avait mené la guerre dans le Pacifique également, et qui était très présent, et qui ont à faire face à la montée de la Chine. Ils ont des griefs à l'égard des Européens. Ils y voient des concurrents commerciaux. Ils y voient des gens qui sont peu soucieux de leur défense, qui ne dépensent pas suffisamment, encore qu'il faille s'entendre sur ce que signifie dépenser pour la défense. Les États-Unis en sont à 6,6% d'augmentation de leurs dépenses militaires. La moyenne mondiale est de 4%. Les Européens sont engagés dans le cadre de l'OTAN et s'y tiennent. Ils sont engagés avant l'arrivée de Trump à augmenter jusqu'à 2% de leur PIB les dépenses affectées aux forces servant dans l'OTAN. Mais les États-Unis restent très présents économiquement. Sur le plan des investissements, il y a un flot dans les deux sens de l'Atlantique qui ont une grande importance, et ou des flots qui sont très des flux qui sont très importants pour les partenaires. Et les États-Unis accordent peut-être une moindre priorité à l'Europe qu'à l'époque où l'Europe était l'enfant malade, mais ils sont encore très présents. Et la preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui encore plus de soldats américains sur sol européen qu'il n'y en avait à l'époque d'Obama, qu'il y a une brigade qui a été affectée à la protection de la Pologne et de la Lituanie devant les empiétements de la force russe. Alors, l'attitude vis-à-vis de la Russie, c'est une attitude qui exige le respect du droit international et des pratiques qui se sont imposées sur le continent. La guerre contre la Géorgie, elle a été provoquée par la Géorgie, si l'on veut, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas le cas vis-à-vis de l'Ukraine. Rien ne justifie aux yeux des Européens l'annexion de la Crimée, même si la Crimée a un passé russe. C'est un territoire ukrainien et le droit international qu'il a reconnu dans un mémorandum encore en 1994, signé par les Russes, exigeait qu'on négocie éventuellement le rattachement de la Crimée avec des compensations, qu'on le fasse par voie pacifique. Et le fait d'avoir choisi la force a provoqué un réflexe qui dure encore dans les sanctions qui sont imposées à la Russie. Alors d'une part, ces sanctions, la Russie a réussi à neutraliser les effets, mais à en maîtriser les coûts. Mais d'autre part, c'est une forte affirmation des valeurs européennes. C'est une affirmation de la volonté démocratique de ne pas simplement laisser réoccuper la Roure ou laisser réoccuper la Crimée. Alors, nos deux dernières questions. Il y avait des doigts qui s'étaient levés. Oui, madame. Merci pour votre exposé. On a appris beaucoup de choses. Mais non. Relation avec la Russie, on aurait dû faire mieux. J'ai une question complémentaire à ce qui a été dit en ce qui concerne l'Afrique. Donc, vous avez dit qu'il faut contrôler l'immigration. Et l'Afrique a un potentiel humain qui va se développer qui est énorme. L'Afrique également a un potentiel de matières premières et beaucoup de pays européens, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne probablement, et beaucoup de pays ont déjà collaboré avec l'Afrique. Donc comment voulez-vous, s'il y a un énorme potentiel humain de naissance, comment peut-on freiner cette immigration? Peut-être faut-il développer l'Afrique qui offre également un gros potentiel économique. Voilà ma question. Merci. Qu'est-ce qui est prévu? Non, le partenariat économique avec l'Afrique est une des priorités non seulement de l'Union européenne, mais de ses États membres. L'Allemagne a un plan de coopération, c'est évident. La France aussi. Qu'il faut fixer les populations sur place et les aider à se développer. La Chine y est également présente et développe des infrastructures et tend sa présence
dans les États africains, même les plus pauvres, en veillant à développer le commerce local, l'agriculture, pas dans un souci entièrement désintéressé, mais personne n'est désintéressé quand il s'agit d'échanges économiques. Alors c'est évidemment la clé du développement de l'Afrique. Il est en Afrique, il est par une collaboration, et de cela on est très conscient. C'est pas en attirant ou en laissant venir des immigrés clandestins qu'on réglera les problèmes de l'Afrique, même si ces problèmes vont s'aggraver sous le poids de la démographie. Voilà, alors notre dernière question, madame. J'ai une question un peu utopique. Je ne crois pas que j'ai entendu parler ce soir des guerres existantes partout dans le monde. Moi, je trouve c'est inadmissible qu'on voit des millions de Syriens qui doivent quitter leur pays parce qu'il y a des guerres. Je mentionne qu'un seul exemple. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas mettre plutôt le combattement ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, des guerres en avant de la technologie, du développement de la nouvelle technologie? Nous vivons quand même au 21e siècle, nous avons vécu des grandes guerres et on y est toujours. Voilà ma question. Oui, je ne suis pas sûr que le désarmement soit la priorité de l'agenda international actuel. Je pense que ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre civile qui a dégénéré très rapidement en affrontement de plusieurs armées et qu'elle illustre cette guerre à multiples facettes, la déshumanisation et l'affaiblissement du droit humanitaire. On ne respecte plus les hôpitaux, les médecins, les populations civiles. On cherche à les terroriser pour obtenir la reddition des rebelles qui se réfugient au sein de la population et pour faire partir ces populations. Donc je crois que cette situation existe ailleurs aussi, qu'elle est malheureuse et que la faiblesse des Nations Unies et des institutions spécialisées qui sont attaquées par beaucoup de pays ou qui ne se développent pas comme elles devraient, a pour résultat ce type de guerre, ce vide qui s'est créé, notamment au Moyen-Orient, et qui est favorable à des affrontements armés, la technologie étant avant tout utilisée à des fins militaires pour remplacer le nombre de l'infanterie, des soldats, et par des armes très sophistiquées, mais très meurtrière et très destructrice. Et en ce sens, je ne peux que vous donner raison. C'est déplorable. Alors, merci encore, Monsieur Nordman. J'ai le plaisir, au nom de l'Institut national Genevois, de vous offrir d'abord la carte de membre et ensuite un livre que nous avons édité, « Et Genève devient Suisse ». Merci beaucoup.